Bonsoir guys, comment nous est? Je dis à moi pour le faire une vidéo qui montrer nous qui gens sont capables de changer d'adresse lorsque vous avez un case dans le CIS. Avec tout qui gens capables de corriger. En fait, son bagage, moi, j'ai fait déjà ça a à peu près 5 jours. Moi, j'ai fait pour moi, je me dis, pour que ça me tout montrer subscribablement. Si par exemple, vous avez besoin de changer d'adresse dans l'application que vous faites qui gens au café, ou bien tout si tu as un erreur dans le nom qui gens pour faire. Et nous allons faire ensemble. By the way, faut nous dire que, en fait, Chanel a toujours été même genre, mais nous allons créer ça dans les VIP members. Côté, par exemple, nous avons montré step by step sous une application besoin fait pour une famille. Ou après vidéo step by step qui j'en pour faire. Comme ça, tout, nous avons gagné, par exemple, le samedi, ça nous a les live stream spécial pour les gens qui member. Côté que, si moun sa yo ke kap gen dwa pou yo pose kesyon, y nap fè plus tan avè yo, donc nap kreye yon VIP member. Sa vle di ki sa, sa vle di ke Chanel la toujou ete menm jan, men ap gen sa ndarele de zof spesyal ki pa pou tout moun, kap pou moun ki member yo. Donc, an di ke basic member la premye level la, se simplement $4.99 pou moun ki ta vle nan member. Donc voilà, je di ya. Son expérience, nous allons le faire, mais il dit, pour comprendre quel type de vidéo. Ça, nous allons le faire là. Nous allons aller justement et faire correction. En fait, si on va avec une fait déjà, nous allons montrer les gens sont capables de faire correction dans yon. Non. En date de t'avoué, nous allons faire un remarquer, marquer en lettre, non, soit dans le cinéma, la cinéma. Nous allons ensemble. Ok, d'abord, nous sur Google, nous tapons USCIS. USCIS, nous tapons. And then, ok. Voilà, nous cliquons sur aller dans homepage là, maintenant dans homepage là, là. OK, à partir de là, m'aller dans tool et puis moi choisi ask about my case. Vous comprenez? OK, on clique sur ask about my case. OK. Donc typo error, ça dit le sens que ou font ils t'ont tapé non un bon erreur quelconque. Pas oublier que ou gain droit ça c'est pour leur pas recevoir mais là, ça est pour leur pas recevoir green card ou bien carte de travail. Ou. Ça, c'est pour leur pas recevoir un document quelconque, soit approuvé là, ou bien huit là. Ça, c'est pour les que soit, li outside of processing time, ou qu'a fait un query. Ça, nous va faire là, c'est pour typographic error. Nous cliquons là, ça veut dire, on tire, non, ou besoin de corriger. Donc, je nous là, là. Ou a besoin, huit number là. D'abord, on a dit qu'il forme. On a expliqué ce qu'on fait. Donc, nous choisissons, en fait, on dit, qu'il y a un I-130, qu'il y a plusieurs. Donc, nous choisissons I-485. Maintenant, yo di subform, c'est si gen subform, nan ka sa pa gen subform, ok, nan ka sa nou pa gen, ou pas obligé nécessairement besoin yon subform, nou kite li, et puis, ou mette receipt number, date ou fali, et moun ki fè pétition an, birthday li, alien number, et mailing address, ou elle avait dit adresse ou, et puis what type of typo il y a plusieurs et dit what type of typography error donc comme voilà et non pas laisser dans notice là OK il a demandé quel type d'erreur si c'est dans green card là il est ouvert bas ou bien est-ce qu'ils sont il y a quel type de bail donc là son notice OK il dit il voit une notice là bas où et il avait notice il dit please describe the error. Please enter the corrections. Vous comprenez? Describe the error. Wap di et wap parle, wap explique qui est là. Si son lettre, whatever. Et puis, wap mette correct corrections. Vous comprenez? Et puis, wap mette email. Et puis, les formes non complétées pour submit. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, toute information. Donc, c'est comme ça. Nous, on doit faire l'ensemble. Si vous voulez. Donc, moi, c'est que ça. Parce que, receipt number là, c'est numéro reçu à. Date que vous fali, wap venu sur reçu à. First name, last name, bah quoi que gagne, il va nous expliquer là. Alien number, ok, ça c'est adresse ou. Et ça fait ça, on choisit notice. Là, on dit describe error, là, on va regarder qui type d'erreur. Par exemple, si c'est dans first name ou bien si c'est dans last name, on va dire qui ça manqué. Ok, on va expliquer lui et puis on entre correct chanson. Vous avez un là? Et puis dans cette, et puis on finit tout le bagage pour submit, tout à supposé bon. Ok? Ok, en fait, une précision que je voulais mettre, c'est, par exemple, qui forme, par exemple, pour corriger, non pas les deux types ou erreur qui a fait au niveau de first name ou last name, ou peut-être son erreur qui a fait au niveau de lien number, tout.
Whatever, le plus souvent erreur, c'est au niveau du first name ou bien last name, ou à choisir qui forme. Maintenant, sub form là, donc on a qu'à ça, c'est bon, adjustment of status, simplement. Donc, sub form là, il y a plusieurs types d'adjustment of status. Ou qu'à choisir, adjustment of status under cube, nous choisir adjustment of status sous family B. Ça veut dire le fait que c'est adjustment of status lorsque madame petite, papa, fil pour vous. Comme ça, tout le monde doit, ou disons, adjustment of status, sub form là, te gen doit peut-être yon l'autre bagage, te gen doit en fait based on grand à ça là, il y a plusieurs types de subform à choisir, ça qui approprié pour ou. OK, donc comme ça tout si pas gen subform à faire, donc là fin remplir toute bagage, après ça puis ba demander ou toute information adresse ou, et puis demander qui type d'erreur ou expliquer qui type d'erreur, et puis après ça submit li. So là fini et corriger type erreur là. Dernier message, ça y est, merci. USCIS will review and process the request. Son demande qu'on fait, il y a justement, et il y a justement, review le fait des maillards pour y écrire, ça rapporte un temps, l'aide pour dire que bien ça va te recevoir. C'est pour confirmer est-ce que effectivement, c'est vous qui fait changement ça. Donc, ça veut dire que ça en clair, l'impossible justement pour faire et typo des erreurs qu'on est capable de faire, que ce soit au niveau de non first name last name et autres au capable corriger. Et donc on nous alors qu'on est là gens que au capable faire pour justement changer adresse. On va regarder ça, qu'on est là, on va regarder qui gens que par exemple si vous tapez une adresse c'est qui adresse ta ronde bien font correction. C'est parce que même gens vous allez aller sur Google ou taper USCIS, donc on va aller sur homepage USCIS.com. Mais là, nous, là, ça me fait mal dans tout. Et puis, l'on côté qui marque la change of address. Je me dis que c'est change of address. OK? So, il y avait expliqué, basically, qui sont capables de changer adresse. OK? Donc, il y a des cas. D'une façon, on allait dans la partie ça qui dit how to change address. Donc, il y a how to change address. OK? Et vous êtes capable de faire à travers account online. OK? Ça, c'est une option. Sous gain USCIS account online. By the way, ça sont option. Moun m'a parlé pour tout le monde, l'on gain USCIS account online. Toute application qu'on va faire, on tout cas toujours gain account online. OK? Et maintenant, nous capable faire ça, nous les change of address ou bien on fait online change of address. OK, yon la del. Donc, on clique sur change of address. OK? By the way, on capable faire on paper tout, ou fil application avec plus mon voyage aller. Mais c'est que ça, puis on fait online, on fait change of address comme ça. Qui se forme ça. Ah. OK, voilà. Men. OK. So, basically, nous souli là. Et donc, nous demandons nous continuer, nous faire continuer. Et nous dit qui ça. En fait, là, nous pose la question. Nous demandons que, est-ce que Chanel va savoir faire pour une application qui est in progress? Ça veut dire, est-ce qu'on a une case dans le CIS? Ils sont obligés de changer l'adresse, nous disons, que. Le demande est-ce que c'est le fait que ou gagne une application qui submit et que il faut qu'on fini comment bien l'application submit il faut qu'on fini il ongoing pour le besoin c'est sur besoin changer d'adresse. Mais sous pas grand qu'un qui avec USCIS presque pas gain importance pour changer d'adresse là. On parle du monde qui pour USCIS parce que chaque fois que vous resubmit on l'autre application c'est adresse qui sur l'autre application c'est lui va le suivre et lui il va l'utiliser. Vous comprenez ça me dire? Donc ça veut dire que sous pas grand qu'un qui se cap process. Deuxièmement, tu as besoin de changer adresse, OK? Et donc, tu as besoin pour faire ça, tu as besoin nécessairement et pour pending case, login case qui pending, tu as besoin de visit number là. On va voir. Et bon, il y a des cas de côté que monde n'a pas gain pending case mais tu as besoin de changer adresse. Au cas style qu'a fait. Tu as besoin ancien adresse, il dit, l'ancien adresse, adresse ça tu veux te gain erreur et puis nouveau adresse en parlant de ça qu'on y a qui bon. En fait, on a dit que dans le cas ça, c'est un case qui pending. Vous avez dit son case, il y a travail sur lui. Il faut prendre une décision finale. Vous avez dit process. Vous dites yes. OK? Et ça qui arrive, vous avez fait une adresse pour un case qui n'a pas process. En fait, là, vous avez demandé pour qui forme. Vous avez choisi qui forme. Donc, là, on a dit c'est un I-485 là. Subform. Subform, là, nous avons plusieurs types de I-485. Par exemple, nous avons I-485. Pour famille, le plus souvent, c'est ça, family base. Maman, papa, petite, nous avons pour employment, tout, parce que les travail, on va mais TV, ça ne va pas dire ça souvent. Le plus souvent, c'est family base. OK?
Kon sa tout de gen do avon I Wonder Di tout. Si se yon I Wonder Di, wala. I Wonder Di agen subform tout. Yon wale di kiye si son revan rezidans, si se border, sister, whatever wap precize. Bon, an di par exemple nan ka I-485 la. Subform nan se pou family base. E pi wap bezon antre zi. Risit la wap bezon zip code sa, zip code ki wote itilize lor fay la. Rebon, si ta vin gon nouvo zip code. Dit le vason sa, se informasyon wote vowe ya. Mem lel te gen yon wap kite l jan te. Rebon? Et puis, c'est non, moun qui fait application, appliquant. Ok? Donc, c'est first name. Ni ça, il n'y a pas expliqué rien. Il dit first name. Vous mettez last name. Ou date ou fait. Alien number. Sous gain, sous pas gain, alien number. Ou quittez parce qu'il y a des cas d'application. Ou pas gain, alien number. Ok? Et puis, qui paye ou sorti. Et citizenship, puis, faut nous, c'est Haïti natural. C'est ça qui est le gros bon moun qui a fait. Il va à Haïti, mais étant donné que auditoire, nous, c'est Haïtien, mettez Haïti. Ok? Et yon mando ki jon yon nan US. Est-ce que son permanent résident yon ou bien est-ce que son visiteur ou bien order, vous comprenez? Donc, ou gen do a mette soyer, ou gen do a mette visiteur, student, permanent résident ou bien order, soumet de order, ou mette order. Et yon ap spécifier sur son TPS, sur se yon moun ki, whatever, son overstay visa, whatever de statut actuel wa, ou mette le. Et puis, comprenez bien ça, c'est yon l'adresse. Ça n'est yon l'adresse. C'est l'adresse ki ou gen sous forme là. Quel que soit agent à tout erreur, vous mettez là. Et puis, change en contient, c'est ça que bon. Vous comprenez? Et puis, vous mettez mail, ça est souvelé. Vous comprenez? Ça est souvelé. Parfois, c'est un côté dans le cas où vous avez un même qui doit mettre l'autre nom, ou bien vous mettez non pas. Ok? Ou bien tout le monde doit dire, donc, mailing adresse, c'est ça que vous avez. Vous comprenez? Vous cliquez comme ça, là, vous même. Ok, là, vous mettez. Et puis, après ça, vous mettez un email souvelé, optionnel, et puis vous mettez. Et qui l'a complété forme là date et qui est-ce qui complété lui si c'est applicant ou bien ID mon nom ou bien pétitionnaire là ou bien si son avocat ou bien si son parent et puis security check et puis submit basically pas tellement grand big deal là dedans là OK pas oublier nous dire nous tous ces genre de vidéos n'a produit nous mais nous va mettre des vidéos VIP côté que qui rien doit montrer par exemple I wonder dia nous va le faire même dans next vidéo ou après step by step ligne par ligne nous va aller avec eux. Donc, si vous êtes VIP member, vous avez besoin de vous. Pas oublier tout. Nous disons, nous allons faire VIP member. Nous avons gagné le samedi. Vous avez gagné live stream. Vous avez posé des questions, mais c'est seulement pour VIP member. Et toute votre vidéo a toujours été sur ce channel-là, mais à bon espace VIP. Cap couteau simplement $4.99. OK? Donc, voilà. Et... So, si tout le bagage est fait bien, il y a du succès. Change address with case submitted. So, ça veut dire que, eh bien, changement de ça passé. Généralement, on gagne un number, qui c'est si, service request number, écrit ça en côté. Ok? Parce que, soit après, Léo, on gagne un numéro service request number là. S'ouvrez tout, ou qu'à point, ou qu'à essayer point de forme là. Basically, pas gagne grand chose là-dedans, peut-être. Si difficulté, c'est à la fin, hein, et tout, on lègue de sécurité pour entrer avant son micro. On va regarder bien. Pour capable entrer l'aide de sécurité à hein? Bon voilà c'est comme ça si vous voulez changer d'adresse donc pas dire que non login VIP non même l'argent n'a pas fait li n'a pas fait avec des cas réels ou bien des sites normalement et autres et donc ça veut dire nous pensons que n'importe monde qui t'a voulu justement encourager nous dans ce sens ça et pour capable une possibilité pour capable poser plus questions plus à l'aise et dans forum qui fait spécialement pour VIP et des vidéos j'en tout là que nous pas faire step by step cap moto j'en pour full n'importe forme et nous pensons que c'est un espace pour être capable adhérer c'est simplement $4.99 donc ceci dit j'en dis à Chanel a toujours été free libre mais nous simplement voulons créer un espace VIP côté que gagne des séries de monde cap vient plus service tout simplement OK c'était un plaisir pour nous avec vous pas oublier rebrancher et connecter avec nous.